Bonjour, je me prénomme Sonia Chartrand. Je participerai aux Jeux du Canada en athlétisme, plus précisément au lancer du javelot ainsi qu'au lancer du poids. J'ai commencé lorsque j'étais plus jeune par la course de demi-fond, donc du cross-country. Puis à la suite de ça, je me suis mise à faire plein d'épreuves. Puis c'est seulement il y a 3 ans que j'ai décidé que je me spécialisais au lancer du javelot. C'est une épreuve qui demande beaucoup de concentration mentale, en fait. Lorsque c'est le temps de lancer, ce n'est plus le temps de penser. Il faut penser, visualiser avant d'effectuer le lancer. Le bras de lancer va être en extension ici à l'arrière. Puis le bras gauche, en fait, va être un petit peu à l'avant. Donc lorsqu'on va arriver pour lancer, le bras gauche va servir d'un bloc qui va en fait créer la puissance qui s'est accumulée au bas du corps, va monter vers le haut, puis ça va permettre en sorte que le javelot sorte en ligne droite. Pour que le lancer compte, la pointe du javelot doit toucher avant. Si il ne pique pas, c'est pas vraiment important, là, pourvu que le devant du javelot touche le sol en premier. En mai dernier, je revenais d'un camp d'entraînement en Californie, puis j'ai lancé 46 mètres, donc j'ai fait mon record personnel. Je dirais que les filles les plus fortes présentement font aux alentours de 51. J'aimerais bien atteindre 48 mètres aux Jeux du Canada. Puis les Jeux du Canada, c'est un événement qu'on entend de plus en plus parler. C'est certain que c'est gros, donc je me dis « Ah, je sais pas si j'ai mes chances ». Puis là, est arrivé Impulsion, programme d'Impulsion 2013. Puis je dirais que c'est un programme qui m'a beaucoup aidé à me développer. Ça a complètement changé ma vie, si je peux me permettre l'expression. J'aimerais atteindre un top 8 au niveau du lancer du javelot. Pour ce qui est du lancer du poids, c'est un peu une épreuve bonbon qu'on m'a donnée. Donc je vais faire mon possible pour essayer de ramener des points pour l'équipe.